Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo et c'est un haul. Donc j'ai passé l'après-midi avec mon pote parce que c'était pour offrir les cadeaux de Noël qu'il m'avait offert. Ça je vous montrerai plus tard dans la vidéo cadeau de Noël d'anniversaire qui disait c'est Noël. Donc j'ai acheté deux trucs comme ça. C'est qu'avec mon pote on va beaucoup voyager et vu qu'on va aller des fois à l'étranger, bon, là où il y aura besoin d'un vol, genre comme le Japon ou les États-Unis, bah, le chat sort de là. On va pas prendre une valise, mais un truc que je vais montrer à la fin, si j'espère y penser. Et du coup, c'est les normes, genre c'est du 10 par 20 par 20. Et c'est seul autorisé. Je vais voir que c'est petit. Bon, du coup, j'en ai pas deux. J'ai pris un cadeau pour la fête des mères à ma belle-mère. Donc, c'est une senteur au jasmin. Ensuite, voici le deuxième. J'ai acheté, pour moi, c'est le must genre du cadeau. Je vais pouvoir me dire pour pas que ça passe trop de la date. Oui, je vais passer sorti comme ça, j'y pense. Donc la folle des sacs. Moi, je adore les sacs. Du coup, c'est... Vous allez voir, j'ai acheté un bijou. Genre, un achète jamais. Donc, la folle des sacs. Et il n'a pas coûté cher. Genre, il a coûté 32. Ce qui est pas beaucoup pour ça. Ce chat va me rendre dingo. Ça va. Genre dès que j'ai vu l'emballer ça, j'ai fait impeccable. J'espère l'occuper un petit peu avec ce ruban. À votre avis, c'est quoi? Je suis pas allée dans un truc de luxe non plus. Hein. J'en ai pas. Ah ouais. Vous devinez ou pas? Tadam, une montre. Ça dit qu'il est 20h53, je vais arrêter juste un truc. Donc je vous reprends, j'avais complètement oublié, c'est pour ça que c'est bien d'avoir laissé de côté comme ça. J'ai vu sur la table qui manquait bien le truc pour le voyage. Donc le sac, regardez cette taille de sac, c'est un petit sac genre basique que j'ai laissé là. Ah, les passages en cabine, il faut cette taille de sac qui est pas plus large que c'est vraiment petit. Genre vous voyez un taille de bras humain, genre c'est à peine ça là. C'est un tout petit sac où c'est pour ça qu'il faut optimiser. Et on peut commencer par les jets de douche, en sachant que la plupart sont fournis dans les hôtels. Donc il est vraiment petit de chez petit. Et j'ai pris mon pote pour moi. Pour moi, lui. Attendez, le pantalon déconne un peu. Donc pour moi, c'est des trucs qui sont conformes, qui passeront à la sécurité. Donc c'est un pack que j'ai commandé avec le sac de voyage, où il y a le dentifrice. Pour les femmes, il y a des lingettes. Vous trouvez ça sur Amazon. Là, c'est la brosse à dents. Le shampoing et gel douche. Et pour les hommes, il y a le rasoir. Bref, vous avez compris. Il y a la brosse à dents, il y a un peu de tout. Voilà, c'était pour vous montrer ça. Parce que nous, quand on partira au Japon ou aux États-Unis, des fois, maintenant, c'est cher, genre pour ajouter une valise.
Peut-être que des fois, ça sera moins cher et on prendra une valise, mais si on voit que c'est trop cher, on optimisera et c'est pour ça que j'ai acheté ça au cas où ça suffise pas. Un pour chaque personne, quoi. Donc voilà. Donc je vous laisse avec le suite de la vidéo. Ça a coupé du coup. Mais c'est bien l'heure parce que mon pote il a acheté aussi une montre et lui c'était pas à la bonne heure. Justement, ah, voilà. Pas l'habitude d'acheter que je savais pas comment on détachait ça. Comment on déteste? Je suis pas douée. J'ai pas l'habitude du tout d'acheter des objets comme ça. C'est surtout que moi. Ah, je l'ai. Je voulais quelque chose, une montre, genre toute simple. Chez les femmes, il faut savoir que si tu veux une montre, soit genre, il y a. Je veux bien genre les aiguilles, mais il n'y avait même pas genre les petits tirés pour dire il suffisait que tu me mettes à l'envers, tu pouvais autant croire qu'elle était à l'endroit quoi. Donc disons que j'ai préféré prendre celle-là. Elle faisait partie des moins chères en plus. Et mon prof il a acheté la même marque. Celle-là je l'ai eu aussi à mes 18 ans. Donc voici le cadeau. Le ouf. Ensuite j'ai acheté c'est mon Pokémon préféré, Lucario. C'est le monsieur Lucario. Moi il fait partie quand même. On dirait qu'il a presque un peu les mêmes pouvoirs que Mew, mais en moins puissant. Mewtwo, je crois. Il a une aura, genre avec sa main, il peut détecter les vibrations et tout. Il est bien, cool. Il a une âme, ne tombe pas. J'ai acheté pour la fête des pères, ça sera déjà fait, un sac de boules. Mon père, il joue beaucoup aux boules. Acheté il y a un rayon dédié entièrement à la fête des pères et fête des mères. Du coup je l'ai acheté un jour de fête pareil pour le petit sac et une carte. Oh, ça c'est mon blouson. Je regarde juste s'il n'y a rien d'autre. Je sors pour plus de simplicité. Non, c'est bon. Donc je vais pouvoir vous mettre dedans. Et écarter du chemin. Ça, je ne montre pas parce que c'est un cadeau genre d'anniversaire. Et ça aussi. Je montrerai dans les vidéos d'anniversaire. Vu qu'on est sur les réseaux et que des fois les réseaux ont plus d'impact, j'aurais besoin de vous et de vos conseils. Je cherche, pour l'instant j'ai acheté ce carnet là, mais vous savez il y a des petits emplacements pour les cartes Pokémon, mais en gros je cherche un carnet où il n'y a que des grandes, en gros pour mettre les grandes cartes que vous allez voir plus tard. Et le chat sort de là où je vais te bouffer. Et on va ouvrir des coffrets Pokémon. J'ai acheté bien sûr des sleeves. Ça coûte 1,99€ les 100. Donc voilà. Et on va ouvrir. En gros, mon pote il m'a offert 3 cadeaux. Et il en manque un qui est pas encore arrivé. Et ma famille, bah. C'est à plus tard. Donc les deux coûtaient 29,99€. Bon, vous offrir Motoriza. Motoriza.
Ceci est de la délicatesse alors qu'il y a une ouverture pour simple. Les bottes, je vais pas attendre. Ça m'a pas. Du coup, ce carnet est fait pour les cartes comme ça, quoi. Je cherche pour ranger les cartes comme ça. Et c'est compliqué, genre, vraiment, à trouver ce bas. Juste pour l'occuper 2 secondes. Ouais. Donc du coup on a 2 cartes. Alors gros c'est mieux. Donc tu as un Motisma et un Motorisa X. Du coup on a écarlate et violet, tempête argentée, écarlate et violet et strike instinct. J'espère qu'il y a genre des bonnes cartes. J'ai vu genre les premières éditions, il y en a qui les vendaient parce que j'ai acheté à Gamecash un truc d'occasion. Et je vais vous mettre le code, comme ça vous pourrez le mettre sur pause. Genre il y a des cartes de première génération, 200 euros. Mascaillement, Wet, Dunasher, Scalpro, Era, Etoraptor, Générateur d'énergie, tout, si, zap, il est dur à dire, il est en holo, qui est galère à montrer. What, qui est en holo. Courroussinge, qui est en holo. Il n'y a jamais eu autant d'holo là-dedans. Et une énergie de base, combat. Pour l'ensemble, c'est pas non plus le truc le plus ouf. Gourmelet, Flavébé, Caninos, Éthervol, Forteresse, Casque Brousse, Nogrino, Flotillon qui est en Nolo. Mon chat est mieux, elle veut sortir, mais il pleut, et donc elle sort pas en fait. Ah, Miscarade en holo. Et on a Miradon X. Bah, du coup, en holo, et bien sûr, il est en X. Donc là, c'est cool parce qu'on a une carte bien en fait. Soba, ça suffit, tu sais très bien que tu veux pas sortir. Bah, si tu veux sortir, mais. Tu peux pas. Ah, il y a une carte en code. Tout simplement. J'adore, elle tourne la tête. Genre. Elle tient les deux codes comme ça et d'un coup elle tourne. C'est quand même leur tête et elle peut se tourner. Facilement à l'endroit. Attendez. Donc là on a Cornèbre, Tilton, Modisma, Laporeille, Fantrim. Oh, alors là ce genre de carte. Milobilus, un Vester, en gros c'est une énergie. Il vaut rien quoi. Oniglali, la 10 et Nititram. 2 cartes bien sur 4 boosters. Si on a un truc bien là, ça serait cool. Star était un centre. Il paraît que c'est là où tu as les meilleures cartes normalement. Qui va le plus cher. Starry, Chunity, Caraclet, Cerible, Friolu, Tropius en holo, Soba, ta gueule. Oh non, j'ai le seum.
Parce que j'ai un mi-cuivre et il me semble que je l'ai déjà. Toutes les doubles que vous pouvez voir et que j'aurai déjà. Charter, double énergie, Bosker. Bah, je les mettrai en vente sur Vinted, sur Andras 63, saison 70. Les prix varient. Tu peux aller genre. En gros, les prix, ça peut faire genre 2 euros. Mais c'est un lot de des fois 5, 10, 20 cartes. Ça varie en fait du nombre de. En fait, je les regroupe avec le nombre de cartes avec leur édition. Donc les toutes les stars et interstellaires que j'ai en double sont ensemble. Et si j'ai des cartes comme là, vous voyez, les prix seront un peu plus élevés. Genre si c'est du V ou du VMAX. Le plus haut que j'ai, il me semble que c'est 12. Parce que, non, pas 12, 7. Je crois que c'est 7. Parce que, genre, la manière douce ne marche pas pour le Jirachi. Bon, un peu. Absol dans la série c'est un peu le protecteur. Voilà. Donc on a Absol et Jirachi V. Moi, seul, on va pas dire que non plus c'est la carte le plus ouf. Je veux dire, juste un truc. Autisme, je vais pas la mettre. Je la mettrai sous protection comme tous les autres, mais je la mettrai pas dans le classeur des V. Ah, donc là, on a Flamme Obsidienne. Flamme Obsidienne. Ah, on a encore Évolution à Padia et Star Étincelante. Alors, du coup, on a eu 3 boosters cool sur l'autre. Est-ce que là aussi on aura 3 boosters cool? De préférence, je préférerais. Topiqueur, Caracroc, Scalpoint, Magneton, Crabouille, oui, je l'ai posé, Scalpero, Frangouin. Darkrai, Béca Glaçon, ex. Ok. Une première carte. Plutôt pas mal. C'est carré. Ça, là, toutes les cartes. En général, je les trie devant une série le soir quand je travaille pas. On va ouvrir notre flamme. Avec des cartes. Parce que ça, genre, du coup, là, franchement, il y en a que j'ai, d'autres que j'ai pas. Même si, genre, même un braco-feu, tout simple, hein, pas ex ou quoi que ce soit, j'ai même pas. Gourmelé, Barloche, Topique, encore, Fond Gourmand, Escarbonne, c'est la route des mollusques, Noctali. Mais le fait super orange et moi celui-là il est nul. De l'option il faut un petit code. Donc là l'idéal que va ça serait qu'on ait quelque chose de pas mal. Pas mal. Petit que de Cranivole, ce serait là à Pitini, cher Mecla, Albert, de Soulourdeux, Passe Rouge en
Oh. Un peu naze. Un dernier. Allez, au moins 2 sur 2 sur celui-là. La girafe, il a pas l'air ouf. Et Oko, je l'ai déjà en double. Il est déjà en vente, peut-être. Ousticram, chien chez nous. Balbuto, style gamin. Clic, petit clic. Sulfura. Non. Et là, il y a le code. Comment dire? Un peu naze. Mais voilà, je crois que c'est bon. Donc, voilà. Du coup, je pense que cette vidéo, je sais pas si elle sortira pour mardi. C'est la fin de journée, genre il est 21h. Et du coup, soit elle sortira, du coup, ce bas. Là, on est le 23. Attends, jeudi 23. Vendredi 24. Samedi 25. Dimanche 26. 27, 28. Donc, soit elle sortira 28, soit elle sortira pas la semaine suivante, parce que je pense qu'il y aura les cadeaux. J'espère que j'aurai tout eu. Parce que, en général, celui de mon pote, je crois que j'ai un truc. Celui de mes parents, je les reçois dimanche prochain. Pas celui-là, mes lettres. Et celui de mon pote, il l'a pas encore reçu, donc je sais pas. Donc j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. N'oubliez pas de t'abonner, activer la cloche. Et ce balage. Ah oui, j'avais juste à acheter en plus une arbre à chat. Mais si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao.